Bonjour mes petits du ciel, perturbe déjà. Bonjour mes petits du ciel, j'espère que vous allez bien. On va vous présenter la palle qu'on a prévue toutes les deux. Pour le 10 livres chacun, un défi. Voilà. Et on va. Si on rigole, il y a un asticot juste là. Qui fait ses airs. Du coup, il me fait rire. Voilà. Du coup, on a préparé nos livres, on a fait des catégories et on a inséré nos livres dedans. J'en ai donné 10 catégories, elle aussi. Voilà. Et du coup, on va présenter tout ça. De la façon. Tu commences ou je commence? Vas-y, commence. J'ai invité d'abord. Du coup, elle est bien sûr arrivée sur la chaîne. Du coup, premier défi, un chien sur la couverture. Ça va, t'as été sympa. Il suffisait du mot. Ouais, parce qu'elle n'avait pas trouvé. Du coup, j'étais gentille, j'ai... Alors, j'ai choisi changé. Tant que hurlent les chiens d'Elisabeth Herrmann. Donc, vous allez avoir du thriller de mon côté. De la romance. Et de la romance de l'autre côté. Ça fait un peu des deux, quoi. Ça. C'est la première fois qu'il y aura du thriller. Donc, c'était une édition France Loisir. Ah, toi, il est marqué. Moi, j'ai même pas marqué quand c'est France Loisir. Ouais, celui-là. Ça, tu sais retirer. Ouais, je sais, mais. Non, mais il y en a qui n'aiment pas. Il y a des produits, je te montrerai le produit. Et du coup, moi, chez moi, pour le premier, c'était un livre, le dernier que j'ai acheté, et c'était celui-ci à ce moment-là, L'inconnu, l'incolo. Avec un inconnu, de chez Addictive, Lily Malone. Il me tente très bien en plus celui-là. Je sais pas où le mettre maintenant, avec lui qui est là. Donne-lui. Ne jamais faire ça dans la vraie vie. Alors, pour la deuxième catégorie, alors c'était. Du coup, c'est la lecture en commun que j'ai notée. Bah ouais. Alors, du coup, comme on a tous les deux celui-ci, on va se lire ensemble. Histoire éternelle, donc c'est des livres avec. L'histoire qui a été revisitée, et là c'est « Et si la mère de la belle avait maudit la bête ?» Chez Hachette Heroes. Donc ça sera notre lecture en commun. Il faudra qu'on se le dise quand on le lit, du coup. Arrête de faire ta... Après, moi c'était le livre imposé. Du coup, j'ai un livre en plus. Du coup, c'est mon chéri qui l'a choisi et celui-là. Comment tu prononces? Je ne sais pas parler anglais. Voilà, vous non plus. Allez, dis-moi. Bon, je vous le montre. De Lina Wop. Il me tente beaucoup aussi. Il a fait esprit de prendre un gros. Voilà. Du coup, voilà. À toi. Alors. Un livre de plus de 500 pages. Donc ça, j'en avais pas beaucoup. Donc c'est De Force, de Karine Gebel. De quoi, t'avais pas beaucoup, avec beaucoup de pages? Non, j'en avais pas beaucoup de plus de 500 pages. J'aurais dû mettre plus. Non, celui-là, c'est bien. J'en ai un de plus de 700 pages. Ouais, non, j'en ai deux ou trois dans les 500 pages. Et j'en ai un qui est un gros, parce qu'il y a trois livres dans un. Dans un, il fait plus de 1200 pages. J'aurais dû te mettre ça, tiens. Oui, celui-là, il aurait fait mal. moi, la troisième. Quatrième, je crois. Mais non, j'ai pas encore fait celui-là. La sortie de la zone de confort, thriller pour. Il m'ennuie à côté polaire, etc. Du coup, j'avais celui-là dans ma palle, Storia, chez Hugo. Je sais même pas le. Il y a 17 auteurs de thrillers. Voilà. C'est plein de petites histoires. Ouais, c'est plein de petites histoires de Disney. Voilà. Et c'est ma lecture en cours. Voilà. Et je suis à 215 pages. Elle a parlé de 500 avant, du coup, voilà. Ah oui, alors, du coup, un livre choisi par une autre personne. Donc, c'est mon chéri qui l'a choisi. Celui qui fait le singe. À côté. Le singe à côté. Donc, Vertige de Franck Tillier. Donc, c'est ma lecture en cours. Mais elle a déjà fini. C'est le deuxième que j'attaque du défi.
Elle est déjà plus loin que moi. Mais enfin, l'autre, elle était plus court aussi. Ouais, c'était un plus court. Oui, c'est celui-là, monsieur. Un livre le plus de 350 pages. Et du coup, j'ai pris Destin troublé de chez Hugo. L'autrice, c'est Jirana L. Je sais pas comment ça se dit. Lee. Voilà. Lui aussi, ça fait un moment qu'il est dans ma palle. Et du coup, j'ai sorti pour le challenge. Alors, du coup, un livre qui m'a été offert. Du coup, j'ai choisi Elle est la nuit, donc c'est de Paul Clément. Il m'a été offert à Noël par ma maman l'année dernière. Et c'est l'occasion de le lire, du coup. Et t'as le marque-page, celui. Ouais, il y a le marque-page dedans. Il m'a été... Moi, j'étais gentille, j'ai mis dessus, tu vois. Et en plus, il m'a été dédicacé. En plus ? Eh ouais. C'est bien, ça. Un livre avec le titre composé, et du coup, j'ai pris Eleanor et Gray, qui est depuis aussi, ça fait 2 ans, je crois, qu'il est dans ma palle. Voilà. Du coup, j'ai sorti celle-là de Brittany de Thierry. Et l'année passée, j'avais lu 2 livres de Gell et j'avais beaucoup adoré. Du coup, je me suis mis un livre que je suis sûre qu'il va être apprécié. Alors, du coup, j'avais une catégorie, un livre Disney. Du coup, on reste dans la même collection avec Il était un rêve. Et si la belle au bois dormant ne s'était jamais réveillée. C'est peut-être voilà. Le deuxième qui te reste, toi. Après, t'en as plus. Je crois que je les ai tous lus, à part ceux, les derniers que j'ai pas encore achetés. Ouais, il faut attendre le mois d'avant, tu les auras pour ton anniversaire. Alors, un livre écrit par une femme. Et du coup, j'ai pris celui-ci, Iris Redet. Et c'est écrit par Blandine Plémartin. Et j'ai dû aller voir pour être sûre que c'était bien une femme. Voilà. Et c'est aussi un non édité. Ouais. Il me tente beaucoup aussi. Et puis j'ai vu qu'il y avait des textes avec des... Oh, mais bien sûr, je l'ai plus. En plus, je la trouve magnifique. Il y a des petits, petites mains là aussi, pas si vous allez bien voir. Ouais. Dessus. Voilà. À de tout. Alors du coup. Ça diminue. Après c'était sortir de sa zone de confort. Elle aussi elle l'avait. Du coup j'en avais qu'un qui m'avait été offert lors d'un achat sur Vinted. Donc c'est la petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la tour Eiffel. Je l'ai aussi dans ma page. Alors du coup je m'attendais à un peu beaucoup d'amour et en fait pas du tout. C'est un livre complètement décalé, c'est de la fiction. Et franchement j'ai bien aimé. C'est d'ailleurs le premier livre que j'avais choisi pour le défi et je l'ai lu en 2 jours. Donc il était vraiment pas mal. Ouais, c'est un petit alors, ça va. Livre, oh bah, la lecture commune c'est fait. Lire un livre qui est dans ta palle depuis 1 an. Et j'ai mis, il était temps de le sortir celui-là, Contre vent et marée de Charlie Coach. Donc, voilà. Ça fait même plus d'1 an qu'il est dedans, mais j'avais très envie de le découvrir. Du coup, je l'ai mis dedans. Voilà. Et c'est écrit quand même petit. Hein. Ouais. Moi, c'est ça le problème. Dans les romans, c'est vraiment écrit petit. Et quand tu vois celui-là, c'est encore pire. Ouais, celui-là, t'as du boulot. Alors, de suivante, c'est une suite de saga. Donc, il fallait que ça soit le tome 2. Donc, j'ai choisi Level 26. Donc, le tome 2. Donc, premier, j'avais vachement bien accroché. Donc, pourquoi pas lire le deuxième. Boum. Il y a le troisième aussi. L'année prochaine, je mets le troisième dans la page. Bon, il sera lu avant, je pense. Bon, oui. Enfin, ça dépend si t'apprécies celui-là ou pas. Bah, le premier était vachement bien. Le premier était vachement horreur. Ah, vachement dans le descriptif et tout ça. Donc, pour ceux qui aiment bien l'horreur, je conseille. C'est ce que je n'aime pas, moi, en fait, beaucoup. Quand c'est trop détaillé. Ouais, le premier, il est... Je trouve ça long, en fait. Il est bien. C'est ce que j'ai avec Rose Eternelle, que t'aimerais peut-être bien aussi. C'est aussi... Non, c'est pas Un palais d'épines et de roses. Je le disais avant, c'est aussi un reconte de la belle et de la bête, ouais. Mais un peu. Et il y a plein de machins. C'est remis à la sauce, mais c'est vrai que c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent. Pas de spoil. Ouais. Non, bah il y a des choses qui reviennent, c'est tout ce que je dis.
un livre choisi par sa couverture. Et du coup, j'avais, c'était pas sur cette couverture là, mais on ne trouve plus les grands formats, mais c'est pas grave. Mais un torse, ce poil, les Mark and Men, Ruelle, le tome 1. Voilà, et ils sont tous là. La suite est là en plus. Du coup, voilà, il fallait que je les lise. Le seul truc, c'est que c'est écrit très petit. Voilà, mais tu dois avoir beaucoup de pages, non? Non, celui-là, 404. Mais quand tu vois l'écriture, voilà quoi. Et t'en restes encore deux, toi? Ouais. Alors, il fallait un chiffre sur la couverture. Donc, j'ai choisi le cinquième règne de Maxime Chatham. Mis aussi. Je t'avais mis aussi le chiffre? Ouais, tu m'avais mis. Moi, bon, j'avais pas. J'avais un doute. Un très bon auteur de thriller aussi. Bah, celui-là, il est connu. Avec Franck Tillier, Karim Jebel. Si, il est connu, ça. Ouais. Il a envie de se montrer. Ouais, elle m'a fait part ma page. Elle m'a fait tomber aussi. Je vous dis. Maintenant, Daniel. Joe. Et moi, pour le dernier livre, je vais avoir aussi un chiffre sur la couverture. Et j'ai fait deux choses. J'ai pris un livre offert et un livre avec des chiffres sur la couverture. Et bien sûr, celle qui me l'a offert, c'est... Du coup, je sors 365 jours. Le tome 1, il y en a 4 de celui-là. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dû voir le film aussi. Ouais, mais moi j'ai vu le film, mais pas le livre. Ouais, non, j'ai vu le film aussi. Et moi j'aime bien faire ça. Je crois qu'il y a le 2 qui va, voilà, qui va arriver normalement. Voilà, pour mon dernier livre. Et du coup, pour mon dernier, c'était un livre que je dois lire parce que j'ai eu envie de l'acheter suivant les avis. Donc c'est Né d'aucune femme, parce que forcément je suis sur des groupes Facebook et quand on en voit passer régulièrement avec souvent, des très bons avis, bah forcément on fait vite une commande Vinted, donc forcément la palle elle augmente très rapidement. Voilà. Par contre tu vois, j'aime pas ces couvertures là. Alors celui-là non, la couverture non, je ne serais jamais arrêté dessus. Tu sais, heureusement que pour le moment ça va, que j'ai pas de sous-sous sur YouTube, mais ça serait pas passé. Ça serait pas passé, je serais démotivée. Les nénés. Ouais, non, je l'aurais pas choisi non plus pour la couverture, mais je l'ai choisi. On aurait caché les nénés. Pour les avis. Ouais, c'est ça quoi. Ben voilà, et le défi aussi c'est que le premier qui gagne aura le droit d'avoir un cadeau, mais enfin on gagne tous les deux, mais... Ouais, je pense que ça sera un livre grand format. Un grand format pour la grande... Ou deux petites poches, comme j'avais dit. Ouais, ou alors... Et un petit poche pour la perdante. Voilà. Comme ça, on aura tous les deux un cadeau. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Mais là, un grand format ou deux poches pour la gagnante et un petit poche. Et il se fout de nous. Il a envie de partir en vidéo. Il a une tête pas possible, c'est pour ça. Avec sa tête, qu'est-ce qu'on... Ouais. Voilà, on espère une ou l'autre va réussir ce challenge. On n'a pas de temps. Voilà. Ouais, avant la fin de l'année quand même, je pense. Bah, oui, on a l'année quoi. Pour ça a commencé le 3 janvier du coup. On a commencé le 3 janvier parce que c'était un lundi. Comme ça. Et du coup, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous êtes plus thriller ou du coup plus romance. Ça peut être sympa. Romance. Ah, il y aura peut-être de la team thriller. Hein. Ouais, ça peut être sympa aussi. Et en plus, ça fait partage un petit peu une fois, ça change aussi sur ma chaîne. Ouais, découvrir autre chose. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas un petit pouce. Fais un petit pouce. Un petit commentaire. Vous abonner, c'est gratuit et ça te fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bien sûr, certainement en compagnie de temps en temps avec les. Il y en a que vous ne voyez pas, mais. Il est là quand même. Mais oui. On va en vacances, voilà la mer, voilà quoi. Du coup, on vous laisse, on vous fait des gros bisous et n'hésitez pas à reprendre le challenge avec vos amis, votre famille, voilà. Sur ce, on vous fait des gros bisous, à plus.